أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui en cet après-midi de vendredi dans le cadre de cette émission Jeunesse active. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de vendredi dans le cadre de l'émission Jeunesse active, une émission rappelant qui vous a été offerte par la radio et télévision Bonferré en collaboration avec l'AEMN. L'AEMN, c'est l'Association des étudiants musulmans du Niger. C'est dans le même dynamisme et le même plaisir que nous abordons aujourd'hui un sujet très important, c'est la dépravation des mœurs. Je répète, c'est la dépravation des mœurs. Nous allons voir la pertinence de ce sujet, un sujet dont nous allons débattre. C'est avec vous, monsieur docteur Kalilou Seydou Moussa. Vous êtes socio-anthropologue. Monsieur Kalilou, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, nous allons parcourir ce sujet, nous allons donner un sens à ce sujet, à ce concept de dépravation des mœurs. Monsieur Kalilou, quand on dit dépravation des mœurs, quand vous entendez dépravation des mœurs, faites-nous une analyse, une brève présentation de ce concept. Merci pour l'occasion que vous me donnez de citer aujourd'hui ce thème. C'est un thème plus actuel, déjà en parle. Donc, c'est bien d'en parler sur le plateau de la voix. Donc, la dépravation des mœurs, il faut savoir que d'abord, les mœurs, en tant que telles, ce sont des habitudes, des pratiques au sein d'une société qui ont lien avec le bien et le mal. C'est-à-dire au sein de la société, ce qu'on considère comme étant bien, ce qu'on considère comme étant mal, cet ensemble du regard qu'on a, ces pratiques liées à ça, ce qu'on appelle les mœurs. Donc, ce que, quand on parle de dépravation des mœurs, ça veut dire que ce qu'on considère comme étant mal est en train de prendre de l'ampleur, et ce qu'on considère comme étant bien est en train de reculer. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ces habitudes-là, il faut dire que c'est des habitudes qui se multiplient au sein de la société, c'est-à-dire par ce qu'on les sociologues appellent la socialisation. Genre, l'enfant qui naît dans une famille, la famille l'encadre, apprend à parler la langue que les gens parlent, observe comment les gens se comportent, on lui dit tu dois faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Donc il grandit dans un milieu où il adopte de manière globale, généralement, les habitudes de la famille. Et c'est la même chose dans la société aussi. Les gens les adoptent. Ce qui fait qu'on peut trouver, tout le monde peut trouver quelque chose comme étant normal et on voit quelque chose d'anormal. C'est tout ça qu'on appelle les mœurs. À force de grandir dans le même milieu. D'accord. Alors, est-ce que ces mœurs ont une importance, une certaine importance dans nos sociétés? Si oui, quelles sont leurs importances dans la société? Mais en réalité, toute société a des normes. Une société sans normes est une société. Une société a ce qu'elle considère comme étant bien, ce qu'elle considère comme étant mal. Qu'importe qui a l'origine. Ça peut être, les normes peuvent être religieuses,
peut dire c'est Dieu qui a dit, c'est Allah qui a dit, elles peuvent être sociales, la morale sociale, c'est comme ça dans la société, personne ne s'est demandé pourquoi, mais on suit parce que les gens le considèrent comme étant cela. Mais les hommes aussi peuvent décider de légiférer, de mettre en place des règles. Dorénavant, tout le monde doit se comporter de cette façon. Et celui qui se comporte autrement, considère comme un déviant. Donc les normes, il n'y a pas de société sans normes. Il n'y a pas de société dans laquelle il n'y a pas de mœurs, des règles de bien et de mal. Sinon, on serait comme des animaux. C'est les animaux, c'est la loi du jeune. Alors que chez les humains, il y a toujours quelque chose qu'on peut voir, ça c'est du bien, ça c'est du mal. L'être humain arrive à distinguer les deux. Alors, sur quoi repose cela, repose chez nous par exemple. Quand nous considérons certaines pratiques, certaines habitudes comme étant une dépravation, chez d'autres c'est ça la norme. Dans d'autres sociétés, c'est ce qui est bien. Et c'est nous d'ailleurs qui avons des mœurs dépravées qu'il faut corriger. Et nous voyons aussi d'autres. Et chacun, c'est selon le milieu dans lequel il a évolué. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à partir. D'accord. Et par rapport au secteur, d'ailleurs, les secteurs les plus touchés, selon vous, quels sont les secteurs les plus touchés ici, et pratiquement au Niger? Les secteurs les plus touchés au Niger? Ouais. À un ami précisément, peut-être. En fait, la dépravation des mœurs, en fait, il faut dire que c'est le processus en cours. Comme je l'ai dit, prenons la question de la socialisation. La socialisation, ça concerne surtout les gens qui intègrent les enfants, qui viennent, qui apprennent des habitudes. Mais aussi, il n'y a pas que la société qui nous intègre ces habitudes-là. Aujourd'hui, avec les voyages, avec les médias, ici de suite, on a contact avec d'autres réalités qui font qu'on les intègre. Maintenant, qui sont dans la société ceux qui sont le plus en contact avec ce qui se passe en dehors de notre milieu? Bon, avec les réseaux sociaux, c'est tout le monde. Mais ceux qui sont le plus exposés, c'est justement ceux-là à qui la société apprend. Aujourd'hui, moi, à mon âge, j'apprendrai moins de choses. Les gens qui ont d'un certain âge changent difficilement de comportement. Mais les jeunes, ils apprennent vite. Ils captent. Donc, rien qu'en regardant la télévision, rien qu'en étant entouré par d'autres types de personnes, on peut tout de suite être touché. Donc, la jeunesse est la plus exposée, qui prend rapidement. Et toute la jeunesse, que ce soit les garçons ou les filles, sont plus exposés que les personnes d'un certain âge. Donc, voilà. Peut-être en parlant de jeunesse, nous allons en revenir, nous allons faire un petit rappel pour nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission tout en nous écrivant sur le 93 33 59 15. Le 93 33 59 15. Monsieur Kalilou, nous revenons vers vous. Vous avez parlé tout de suite du jeunesse, justement. Peut-être la mauvaise influence des réseaux sociaux sur les jeunes en est aussi, est un point aussi, peut-être qu'il faut en débattre sur ça. L'accès facile au portable, est-ce que vous pouvez dire par rapport quelque chose par rapport à ça, au smartphone, l'Android, l'iPhone, mais aussi la connexion aujourd'hui qui est partout, qui est... Alors, avant, je l'ai dit à mes enfants, je commençais à avoir un téléphone... Un téléphone pas portable après ma licence, et les voient, même s'ils n'utilisent pas, ils voient que l'Android, si on le leur donne, ils le manipulent mieux d'ailleurs, ils savent pour mieux l'utiliser. Et donc, au moment où on n'avait pas accès, on avait moins accès à l'extérieur. Même à la télé, il y a certaines choses auxquelles ils ont accès. Nous, moi, quand j'ai grandi, la télévision nationale, c'était trois fois par semaine, et comme l'après-midi, aujourd'hui, il y a télé H24. Et les enfants, ils ont accès à des centaines de chaînes. Donc, le choix est là. Alors, cela fait que l'Internet vient amplifier les choses, WhatsApp, Facebook et tout. Ils connaissent même beaucoup d'autres réseaux. Cela les ouvre sur l'extérieur. Et il faut faire la remarque. Lorsque trois personnes sont assises au début, que ce soit des jeunes ou des adultes, ils sont plus concentrés sur leur téléphone qu'entre eux. Ils n'ont pas cette habitude de causer. Chacun va aller répondre. Non, un instant, je réponds. D'ailleurs, s'ils se parlent, ils peuvent passer 30 minutes sans se regarder, chacun sur son téléphone. Et cela veut dire qu'on est ensemble
mais on est plus lié à l'extérieur. À l'extérieur. Cet extérieur-là n'est pas seulement national, ça peut être international. On peut y être sur YouTube, sur Facebook, etc. C'est international. Donc, l'accès à l'information et l'accès intensif. L'accès intensif, pardon, à une information à la, qu'on ne peut même pas vérifier, en fait, souvent. Et il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas quelqu'un pour me dire que je suis mon propre contrôleur. Et à partir du moment où je ne suis pas capable de m'arrêter, c'est qu'on est chamballé. Parce que je ne peux pas dire, ben, je vais m'arrêter, ça suffit. Non, c'est ça attire, on avance, et puis à un moment, on est engloutis. Alors les réseaux sociaux, live télé, les télé, ont beaucoup d'influence sur la jeunesse, et c'est des moyens de distraction. Hein, même pas seulement par rapport aux noces, mais par rapport à l'éducation et tout, par rapport à beaucoup d'autres aspects. Cet aspect est là. Et l'autre aspect, c'est que les parents sont absents. Et ça amplifie. Parce que même s'ils sont présents, ils peuvent dire, bon, ça c'est pas bien pour toi, pour telle émission, telle chose, là, mais dépose le téléphone, etc. Et il y en a qui pensent d'ailleurs que on aime un enfant quand dès le primaire ou quoi, on lui achète un téléphone, des choses comme ça. Et alors, ça amplifie et ça fait que aujourd'hui on est très surpris, beaucoup de parents sont surpris du comportement de leurs enfants. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ah, ça et ils sont absents. C'est vrai, les parents, tout le monde, les parents sortent chercher, ils laissent les enfants. Si les vacances, c'est la période la plus destructrice pour beaucoup de gens. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le terme télévision parce que j'allais en venir sur ça. La télévision aujourd'hui avec une panoplie de programmes, des programmes destinés peut-être aux enfants comme des programmes d'adultes. Mais force est de constater que certains parents laissent les enfants regarder tous les programmes. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à se laisser aller? En fait, il faut dire que les programmes télé ne sont pas... comment on appelle ça, c'est tous les programmes ne sont pas au bon. Et c'est vrai que tous les programmes ne sont pas mauvais aussi. Il y a des programmes vraiment programmés. Et on les fait, ça influence celui qui les regarde. Et comme je l'ai dit, les enfants souvent ne savent pas faire des choix. Et ils prennent tout ce qu'on leur donne et ils adaptent. Quand on voit aujourd'hui que des enfants, des jeunes, des adolescents prennent des armes pour aller tuer d'autres, c'est des choses qu'ils ont cultivées. Ils ont appris. Donc petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Aujourd'hui, même par rapport à la question, par exemple, de la consommation de stupéfiants, c'est vrai, ce sont des relations en fait. Il y en a qui ont été en contact, qui ont été en contact avec d'autres, ainsi de suite. Il y en a qui ont vu à la télé, ainsi, les gens, ils voient et ils cherchent à apprendre. Ils veulent imiter. À un certain âge, on est plus attiré par l'imitation. Quand on voit l'autre marcher, on veut marcher comme lui. Quand on voit il rit, on veut rire comme lui. S'habiller, on veut s'habiller comme lui. Donc, l'imitation et la télé nous donnent des occasions. Parce qu'on voit les gens en image, on les voit agir. Et on veut se ressembler à eux au même temps. D'accord. Merci beaucoup, M. Kalilou. Nous allons parler maintenant côté éducation de l'école. La morale et l'éducation civique enseignée aujourd'hui à l'école était très bien assimilée par les enfants, je dirais, avant, auparavant, il y a quelques décennies. Ces enfants de l'école ancienne étaient très respectueux et connaissaient leurs limites. On a envie de se demander aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour que les principes de base enseignés à l'école soient bafoués par les enfants. Selon vous, qu'est-ce qui a causé cela? Moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que notre école n'est pas. Notre école enseigne. Dans leur enseigne des mathématiques, etc. L'école ne change pas le comportement des enfants, sauf négativement. Mais faites-nous une comparaison entre l'éducation et l'enseignement. L'éducation, c'est on apprend à l'autre un savoir-être et avoir du comportement. Un bon comportement, voilà, agir au sein de la société. Notre école ne l'apprend pas. Il y a des rares écoles qui ont qui apprennent aux enfants des manières d'être. Mais nous, c'est le savoir et le savoir-faire, point final. Il n'y a pas le savoir-être. Et c'est général. Aujourd'hui, on peut être docteur en quelque chose, avoir un mauvais comportement envers les gens. Et ça aussi, on ne peut même pas savoir comment accueillir quelqu'un, lui parler, pour aller dans l'administration. On le sent. C'est le fruit. Si l'école éduque, on va avoir des gens qui savent faire le travail, mais qui se comportent aussi bien à l'égard des autres. Donc, à mon avis, moi je pense que les bonnes gérantes, c'est quelque part cela. Les parents ont confiance, ils prennent leurs enfants, ils mettent dans l'école.
mais l'école ne les éduque pas. L'école leur enseigne tout simplement le savoir. Et souvent, certains mauvais comportements, même les enfants les prennent au niveau de l'école. Il faudra bien que cela fasse réfléchir les gens. Si l'école devrait être un cadre qui construit l'homme, parce que quand on construit l'homme, on ne construit pas que sa tête. Il faut construire son cœur, son âme, etc. Là, les permettre d'agir. Donc, on construit sa tête, sa façon de raisonner, puis ça s'arrête là. Et donc, si l'école qui devrait former l'être, construit l'être, je préfère bien cette expression, construit l'être, ce retour va être un lieu où on peut détruire. C'est vraiment très dangereux. Et c'est du comportement aujourd'hui à l'école, on le retrouve. Donc, l'éducation, il est important bien que cela soit pris en compte aujourd'hui, que les gens se disent. On va à l'école pour apprendre, avoir un savoir, mais il faut aussi avoir un savoir-être. Et cela s'ajoute à l'absence ou à la démission des parents. Finalement, on est laissé à chacun, laissé à lui-même. On va avoir ses habitudes là-haut. Dans la rue, dans la télé, non. S'il y a des télés qui éduquent. Sinon, finalement, on se rendra compte qu'on perd tout. Parce que ceux qui sont censés nous donner les habitudes ne les donnent plus. Et souvent, même les parents de jeunes, il y a beaucoup de jeunes parents qui n'ont même pas eux-mêmes ces habitudes-là. Ils vont donner quoi? Tout ça pose problème. Donc, l'école, pour moi, sincèrement, ce n'est pas un cadre d'éducation. Aujourd'hui, en tout cas, tel qu'elle se présente, c'est plutôt un cadre où on veut chercher le savoir et puis c'est tout. Ça vaut tout ce qu'on est en train de voir qui se passe aujourd'hui. Et justement, nous restons dans le cadre de l'éducation. Nous voyons ces derniers temps des situations assez désastreuses qui se passent au niveau des écoles, des élèves qui s'acharnent sur leurs enseignants. Est-ce que selon vous, ça fait partie de la dépravation des mœurs au Niger? C'est incroyable en réalité, parce que un enfant parle son enseignant, c'est une sorte de chose. Mais un enfant doit avoir du respect pour un adulte. L'adulte, quelqu'un, c'est plus âgé que lui, il doit le respecter. L'adulte, il le respecte. Mais en plus, c'est son enseignant, quelqu'un qui est censé montrer le chemin de la vie, pour apprendre beaucoup de choses dans la vie, dans ouvrir en tout cas les yeux sur le monde. Si lui-là, on puisse lever le bras, cela veut dire que c'est symbolique. En réalité, c'est le savoir même qui n'est pas important. Quand celui qui est censé nous donner le savoir, on porte la main sur lui, c'est qu'on n'accorde même pas d'importance au savoir lui-même. Alors que le savoir pour des dernières sociétés où le savoir n'est pas important ici, à quoi on va s'attacher? Je ne sais pas, les gens, ils sont. C'est vraiment très désastreux. Et cela doit interpeller les autorités, doit interpeller les parents, pour que les gens sachent que nous sommes en train d'aller vers la ligne rouge. Il faudra qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions. Nous sommes dans une société qu'on ne reste pas déplorée, on ne comprend plus les jeunes. Non, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans la société qui n'a pas de cause. Il n'y en a pas. Toute chose qui se passe, quand on recherche, on va trouver qu'il y a une cause quelque part. Il faut rechercher les causes et essayer de colmater dès maintenant, avant que ça n'atteigne un niveau où n'importe qui dans la rue a peur de sortir parce que n'importe qui peut faire quelque chose. Et ça, c'est très dangereux, c'est vraiment une très mauvaise image. Moi, je n'ai même pas pu dire un mot sur cette affaire, tellement où ces affaires-là aussi. Mais est-ce que d'un côté ici aussi, il n'y a pas une faille au niveau des enseignants par rapport à cette situation qui se passait dans les temps? Est-ce que les enseignants qui n'ont pas failli quelque part, peut-être? Quelque part, certainement, par rapport à tous ces différents cas qui ont été. Parce qu'avant, les enseignants, les professeurs avaient une certaine rigueur qui était là. Mais aujourd'hui, on ne voit plus cette rigueur. Tu vas voir un enseignant avec son élève se côtoyer, faire des choses ensemble. Est-ce que tout ça, ça explique? Est-ce que ça n'explique pas ce qui se passe par rapport à. Ça dépend en fait de l'usage que les élèves en font. Ça dépend aussi de ce que chacun fait. Mais pour moi, on peut avoir selon les cas des responsabilités. On peut avoir selon les cas des responsabilités. Là, pour ces différents cas qu'il y a eu récemment, je n'ai vraiment pas les faits pour dire bon, un tel est actif. Mais c'est vrai que les relations entre enseignants et élèves se sont plus détendues. Avant, le chemin que suit ton enseignant, tu ne le suis pas. Quand tu le suis, tu le vois, tu lâches, tu changes de chemin. Parce que l'enseignant, il est. C'est la rigueur, c'est l'autorité, etc. Aujourd'hui, cette autorité
n'y est plus. L'enseignant n'a pas d'autorité. Il ne peut pas punir la foi, il ne peut pas ceci, il ne peut pas ainsi de suite. Donc l'enseignant est limité dans son action. Il est réduit à donner un savoir et à partir. Il ne peut même pas punir l'enfant, de peur que les parents puissent venir avec les ailes, de peur qu'on lui dise qu'il a maltraité, qu'on l'amène à la justice, je ne sais pas. Tout ça, il y a l'autorité de l'enseignant qui est patente. Ça, il faut quand même le reconnaître d'un point de vue global. Hein. Et l'autre chose, c'est les relations peuvent être détendues par le fait de certains comportements de l'enseignant. Aussi, c'est possible, surtout dans les milieux secondaires, j'ai enseigné maintenant au lycée. Donc, souvent, les relations sont un peu lâches, comme on dit. Et puis, les gens peuvent se permettre quelque chose. Quand, par exemple, on se retrouve à toucher certains types de relations avec certains élèves, les autres observent le respect qu'il y a tombe. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce qui est la cause dans, par exemple, les faits qui se sont posés. Mais, moi, pour moi, aujourd'hui, la grande responsabilité, c'est d'abord une question des élèves, de leurs parents. Quand un enfant grave son enseignant, tu ne dois pas donner ce mot-là, tu dois être très gêné dans cela. Parce que mon enfant était sur les supports, respecter son enseignant, tu ne dis pas cela, c'est vraiment. D'accord, merci beaucoup. Nous avons cité quelques causes de la dépravation, mais peut-être que vous allez peut-être nous en ajouter quelques causes concernant la dépravation, précisément au Niger, peut-être en vous appuyant sur la liberté, le manque de surveillance, la négligence et l'indélicatesse, de certains parents qui n'assurent pas toujours que leurs enfants dorment avant d'avoir des relations, et peut-être des relations sexuelles sont autant de facteurs pouvant conduire à une sexualité précoce et des comportements indignes chez l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça en vous appuyant sur des faits peut-être que vous connaissez? Je vais raconter une anecdote. Il y a un grand monsieur qui m'a raconté une histoire qui m'a vraiment très touché. Il m'a demandé si je connais ce qu'on appelle Chani. Je dis Chani, non, je ne connais pas. Il m'a dit Chani, c'est une drogue dont les grammes se battent en 5 minutes. Le gramme, il a dit, cette drogue-là est très consommée par les jeunes. Lui, il faisait des taxis la nuit. Il m'a dit, surtout les jeunes filles, dans la rue, il donne des voix, tu suis ces voix-là, des voix à Niamey à telle heure, tu vois, tu suis une petite fille qui sent là, que l'envie de prendre du tchadi est plus dangereux que la consommation. C'est-à-dire, celui qui a envie de le prendre est plus dangereux que celui qui l'a consommé. Il est prêt à tout faire. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens l'apprennent dans leur relation, dans leur fréquentation. Mais souvent, finalement, et ces jeunes qui sont dans ça vivent plus pour la drogue que pour la vie. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont rien. Et quand je me dis, pour moi, le premier grand facteur, ce sont les parents. Comment est-ce que moi, un parent, je vais laisser ma fille d'un certain âge, une fille entre 12 ans et 14 ans, je la vois, je la laisse sortir et qu'à 22h, 23h, je ne sais pas où elle est. Je vais rentrer, je vais dire quoi, en tant que parent, si faire, laisser même sortir la nuit, pour moi, c'est irresponsable de la part d'un parent. Et donc, du coup, on les retrouve, ces jeunes filles, ces jeunes garçons, fréquenter certains lieux, fréquenter certaines personnes, et ça ne fait que s'amplifier. Et chacune qui apprend aura une amie ainsi de suite. Donc, l'un des premiers facteurs, c'est la démission des parents. Quelque part, c'est une responsabilité vraiment des parents face à l'éducation de leurs enfants. Cela n'est pas lié au nombre. Cela c'est tout simplement une responsabilité. Parce que quelqu'un peut avoir un seul enfant et qu'ils sont mal éduqués, qu'ils ne puissent même pas s'en occuper. Comme quelqu'un peut avoir 2, 3, 4, 5, 10 et qu'il en passe 10 ans. Bien éduqué. Donc tout ça, c'est une question de toute responsabilité des parents pour lesquels ils doivent s'assurer. Et là, l'autre chose, c'est l'État. L'État, ça me dit bien. Je vois aujourd'hui que quelque part, quand l'État veut encourager les gens à se marier, ça pose problème. Alors que nous sommes dans notre société, le mariage est une institution. Normalement, dans notre société, en dehors du mariage, on ne peut pas entretenir des relations sexuelles. Mais quand le mariage devient, on voit que ça pose problème. Donc,
quelque part, on se dit, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller, alors que c'est l'État qui est supposé aider pour qu'on puisse avoir des normes, que les gens ne puissent pas tomber dans certaines choses, etc. Mais quand il n'y a aucun accompagnement, ça ne marche pas. Et l'autre aspect, c'est tout ce qu'il y a comme influence extérieure, des influences à travers certains médias, etc., que les gens prennent. Parce que finalement, c'est la société elle-même qui a abandonné. Donc aujourd'hui, on ne peut que constater que ça ne va pas, que la jeunesse est en train de plonger. Ce qui inquiète, c'est vraiment la jeunesse en train de plonger. C'est-à-dire, j'ai rencontré un vieux. Il y a quelques mois, il disait, aujourd'hui, celui qui, avant, quand on voit quelqu'un, bon enfant, prendre de l'alcool, on dit que c'est mauvais. Mais aujourd'hui, quand un parent, un enfant qui prend de l'alcool, il est soulagé. Parce qu'il y a pire que ça, et qui est devenu comme ça. C'est très dangereux. Donc, peut-être, vous avez parlé de facteurs, les causes. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des conséquences que tout cela engendre au niveau de nos sociétés, le laisser-aller de l'État, le laisser-aller des parents? La conséquence, c'est que les gens sont plus tranquilles. Ils sont plus tranquilles aujourd'hui. Quand on, les gens, ils construisent, ou même dans leur maison, il faut mettre des barbelés, il faut mettre des caméras de surveillance, il faut prendre des gardiens. Dans la rue, on ne peut plus garder son sac, on ne se sent pas en sécurité. Les gens le disent. On dit la criminalité, mais ça, les gens n'ont rien vu encore. Dans d'autres villes, c'est encore pire que ça. Donc, si on laisse les gens de cette façon aller dans certains comportements, finalement, personne n'est en sécurité. Personne ne se sentira en sécurité. Il y aura à certaines heures, certaines voies, ou même en plein jour, c'est ainsi de suite. Les gens peuvent être attaqués, ils peuvent ainsi de suite. Et ça, ce sont des signes annonciateurs. Les gens doivent se dire que si on dit que l'envie de prendre la drogue devient plus dangereux que le fait de le prendre, c'est très grave. Ça veut dire que tout celui qui a envie de prendre est prêt à tout pour l'avoir. Et c'est surtout toutes ces questions. On doit se dire, même pour notre propre sécurité, nous devons prendre nos responsabilités. La sécurité dans la société, la tranquillité de tous. Mais si tout le monde laisse voir, ça va un jour tomber sur. C'est seulement quand ça va tomber sur la personne. Certaines personnes, ce n'est pas leur problème. Et donc, c'est normal. Ce qui se passe, que certains comportements, ils ont une autre façon de voir la vie. Mais pour la plupart des gens, la majorité, je pense que il faut faire attention pour que les gens s'occupent de leurs enfants, qu'ils essaient d'accompagner. Pour éviter certaines choses, parce que si personne n'est à l'abri, ça peut toucher tout le monde, sur tous les plans. Sécurité, avoir le problème du mariage qui est en train de se renforcer, la déclaration, toutes les choses, en tout cas, qui peuvent se multiplier. Finalement, on va être là, ce mode de débat, on n'est pas vu, on n'a pas vu, on ne sait pas. Donc, c'est là, les conséquences sont déjà là, on les voit déjà. Justement, donc, face à la gravité de toutes ces situations, alors, selon vous, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Premièrement, peut-être nous allons nous pencher sur les médias. Selon vous, en termes de sensibilisation, quel est le rôle que doivent d'abord jouer les médias? Les médias, je pense qu'ils doivent penser à leur responsabilité sociale. Pas que les entreprises qui sont gérées, qui doivent gérer des ressources, mais à leur responsabilité sociale. Si on doit contribuer par le bien, c'est vrai, à informer, à éduquer, à contribuer à la sensibilisation des populations sur des thématiques. Et pour attirer l'attention des gens par rapport à tous ces phénomènes sociaux, à leur dangerosité, comme ça se fait aujourd'hui. Merci, je pense que ce débat, il doit être posé, multiplié, amener des spécialistes de la chose, amener même des jeunes à s'exprimer. Pour leur dire, mais dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ça, ainsi de suite. Et ça va vraiment sensibiliser. Donc, c'est la responsabilité sociale, mais aussi une responsabilité citoyenne. Parce qu'il s'agit de notre pays. Si demain, nous avons des jeunes qui n'ont aucun sens de la vie, qui vont ce qu'ils veulent, qui vont prendre les mains, amener ce pays, c'est à craindre. Donc, c'est une responsabilité citoyenne de contribuer pour l'intérêt du pays, des populations.
pour qu'on puisse ensemble préserver ce que nous avons d'essentiel. En tout cas, les habitudes, les mœurs, tout ce que nous avons de moral, que ce soit moral, social, moral, religieuse, le fait de les avoir font en sorte qu'on peut avoir un certain équilibre. En tout cas, dans notre société, même que le Niger est aujourd'hui, on en a encore besoin. Si on lâche, vers où on va aller, on ne sait pas. En tout cas, c'est leur responsabilité, la responsabilité sociale, la responsabilité citoyenne. D'accord. En dehors des médias, selon vous, quels sont les acteurs principaux qui doivent aussi jouer leur rôle dans cette sensibilisation, peut-être la société civile? La société civile, oui. La société, mais moi, d'abord, c'est surtout les parents. Pour moi, les parents, quel que soit, ils sont les premiers en contact avec leurs enfants. C'est les parents qui savent, ce sont les parents qui savent si l'enfant est là ou si ce n'est pas là. Qu'il est sorti ou non, qu'il a dormi ou non, ce sont les premiers. Et ce sont les premiers qui peuvent savoir ce que font leurs enfants, normalement à la maison, qui peuvent parler avec eux, ainsi de suite. Donc, il faut juste que les gens s'assurent. Essayer d'être proche de leurs enfants. Il y en a qui, parce que les enfants ont peur de ne pas leur parler, peut-être que eux-mêmes ils trouvent que leurs enfants sont égarés, ils ne peuvent pas les approcher, ainsi de suite. Mais c'est vrai que notre société a beaucoup de barrières, hein, souvent entre les parents et les enfants, donc il faut les casser pour être proche d'eux, leur permettre de pouvoir s'exprimer. Donc, là, pour moi, cette responsabilité des parents elle est incontournable, il faut que les gens s'assument. S'ils ne s'assument pas ici, en tant que parents, ils vont s'assumer des voitures, ça arrive. Et la société civile, oui, la société civile doit contribuer aussi à sa manière à sensibiliser les gens, les parents, les populations, dans les quartiers, partout, en tout cas où ils ont des moyens d'influence, animer des débats, pour que la société prenne conscience. Parce que plus on parle de quelque chose, plus on attire l'attention des gens vers cela. Il faut poser les débats, il faut venir en parler à la télé, à la radio, ainsi de suite. Et cela va permettre de se concentrer sur la thématique. Peut-être qu'ensemble on va se dire, non, c'est vrai, tout ça, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire. Ben, si on pense que c'est la voie, il faut laisser aller. En tout cas, on va reporter les pots cassés sur les certains. Je pense qu'on est déjà assez loin, mais on n'est pas arrivé à destination jusqu'à. On n'est pas à un moment, à un niveau de non-retour. On peut toujours s'arrêter, essayer de voir ce que l'on peut. Et le rôle de l'État dans tout ça? Voilà, la responsabilité, c'est l'État. J'ai vu que l'État est toujours là, souvent, ces questions-là ne les intéressent pas trop en réalité. L'État, en tout cas, ils sont plus là à mettre en œuvre certaines normes ou à encourager que nos traditions, souvent, hein, dans la réalité, on pense même que nous, nos pratiques sont contraires à la modernité, des choses comme ça, donc on doit avancer, il faut aller vers la modernité, ainsi de suite, donc certaines choses, il n'y a pas de souci, ça ne préoccupe pas. Mais sinon, l'État peut contribuer dans le cadre de la réduction de la criminalité, c'est important, la lutte contre l'esthétique, parce que c'est le fait que ça puisse accéder, les gens puissent facilement accéder à ça, ça amplifie. S'ils ne peuvent plus accéder, s'ils ont des difficultés, si. Donc, l'État peut contribuer par rapport à ça, mais la responsabilité revient vraiment à la famille. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, en tout cas, ça ne fait pas partie de notre système éducatif. S'ils peuvent l'intégrer, l'État peut aider, accompagner pour qu'on puisse créer le Nigérien. Quand on dit le Nigérien, on peut le reconnaître. Il est comme ça. Et que bon, si on peut être n'importe qui, c'est quand même bien. Donc, contribuer à conseiller le savoir-être des Nigériens. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être avant votre mot de fin, nous allons en revenir sur le cas toujours des réseaux sociaux. Peut-être vous allez proposer des solutions concernant cette imitation des Occidentaux. Nous le voyons à travers WhatsApp, Twitter, les TikTok. Beaucoup de jeunes imitent les Occidentaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a des solutions qui s'offrent à nous, que vous pouvez proposer à l'endroit non seulement de l'État, des parents, mais aussi de plusieurs acteurs? Par exemple, moi je me dis que l'enfant, il
faut essayer de les responsabiliser. Moi, par exemple, personnellement, chez moi, on n'a pas droit au téléphone avant d'avoir le BPC. C'est la norme. On monte ça avant le BPC, et quand, à partir du BPC, je vois que la responsabilité n'est pas grande, je rajoute encore. Donc, c'est déjà un aspect. Alors que les premiers téléphones, ça va être moi qui les offre, on ne va pas venir d'ailleurs. Donc, du coup, c'est déjà un aspect. Mais durant cette période, la personne peut utiliser, on est avec, en tout cas, les contacts, il y a les parents, ainsi de suite. C'est mon principe de dire, bon, d'aider les enfants à les responsabiliser et en leur remettant le téléphone, je leur dis, par exemple, tout ce que ce téléphone a de bien, mais ce qu'il a aussi de mauvais, il faut savoir. Donc, c'est un travail de suivi, d'accompagnement et de responsabilisation. Moi, je connais des parents dont les enfants sont au primaire, ils ont droit à des androïdes. À l'école primaire, j'ai vu des enfants à l'école primaire avec des androïdes. Qu'est-ce qu'ils font avec un androïde à un enfant? Et il va grandir avec ça, ça peut devenir un esclave. Donc, ce casquier, il faut que les gens sachent qu'il est vécu, cela, qu'il aide les enfants à comprendre ce qu'il y a derrière. De la même façon pour la télé. Moi, là où je suis, je peux passer 2 ans sans regarder la télé. Deux ans, si je ne viens pas chez quelqu'un, rarement, par exemple, durant l'année scolaire, la télé, ça ne dérange personne chez moi. On ne peut même pas allumer sur un an, ça ne dérange personne. Et puis, on est arrivé, ça ne dérange pas, j'ai un peu, on ne voit pas que non, nous, on manque quelque chose. Non, c'est une façon de responsabiliser aussi les enfants qu'ils sachent que cela, il y a de l'utilité dedans, mais il y a aussi quelque chose de dangereux. Et ça fait, bon, et eux, ils ont leur choix, moi j'ai le choix, mais j'ai la responsabilité aussi de leur montrer le chemin. Et après, ils feront ce qu'ils veulent, de là, par la suite, mais c'est ma responsabilité. Donc, si les parents prennent cela, ils voient, ils prennent leur responsabilité, en essayant d'accompagner, d'encadrer, d'aider, de tirer la main des enfants et d'évoluer ensemble, sans que ce ne soit sur la contrainte, je pense qu'ils comprendront beaucoup de choses. Voilà. Restons toujours sur le cadre de l'utilisation des smartphones. Nous l'avons vu l'année passée, l'État a interdit l'utilisation des smartphones dans les salles d'examen. Mais pourquoi, selon vous, pourquoi ne pas l'interdire dans les salles de cours? Voilà, ça c'est le principe. Normalement, l'État doit interdire l'accès. Je connais des écoles dans lesquelles les enfants n'ont pas le droit d'amener des téléphones. Celui qui amène son téléphone à l'école, si on trouve l'enfant avec un téléphone, il ne va pas le récupérer avant la fin de l'année. C'est interdit, carrément interdit. Et donc, du coup, l'école, ce n'est pas un lieu de jeu, c'est des distractions. Mais là, quand même, les responsables de l'école prennent le téléphone, c'est même les parents qui viennent réclamer, et ça... C'est... À la base, c'est la règle. Sinon, si tu prends le téléphone, tu pars avec ton enfant en même temps. Donc, tu viens, tu récupères le téléphone et ton enfant, vous partez ensemble. Si tu veux que l'enfant vienne, tu suis les règles de l'école. Et je pense que quelque part, les gens doivent se faire. Les écoles aussi, mettez vos règles. Celui qui amène son enfant, ce n'est pas sa règle qui va fonctionner, mais c'est votre règle qui fonctionne. Et que l'État dise, enfin, à partir de dans telle école, qu'on ne va plus mettre. Et je crois que les enfants ne se disent pas, moi je vais amener. Qui va respecter cela? Quand l'enseignant n'a pas d'autorité, mais quand l'école, dans l'école, l'enfant, il sait bien que quand il ne suit pas, il va subir les conséquences. Donc voilà, il est obligé de se il y a aucune. Ils savent que même si on ne respecte pas, ça ne fait rien, parce que tu sais, il faut remarquer tout ce qui est étatique. S'il y a des lâchetés dans le fonctionnement, les entreprises étatiques, il y a des problèmes. Tout ce qui est état aujourd'hui, il y a un relâchement. Et ça, c'est l'autorité, c'est l'État qui doit s'assumer. Un État doit s'assumer par rapport aux règles, par rapport aux normes, ainsi de suite. Bon, quand c'est lâche, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas prendre, on a peur de ceci, on a peur de cela. En tout cas, par rapport aux choses essentielles, parce que je prends le cas du téléphone à l'école, les gens doivent s'assumer. Sincèrement, moi je le pense, moi ce niveau primaire, secondaire, c'est bon, je l'ai dit. Mais là où la nécessité peut se poser, c'est quand, par exemple, l'enfant, les parents le déposent et il n'y a pas de contact. J'ai vu l'école qui l'a interdit, c'est qu'à l'école, il y a un numéro que les parents doivent appeler s'ils viennent par exemple pour contacter leurs enfants. Par exemple.
et l'enfant peut aussi venir. Donc, au cas où les enfants partent, ils n'ont aucun téléphone, et que souvent les parents ont besoin de les contacter, ils doivent informer les parents qui sont, ils doivent rater plutôt quelque chose comme ça, il y a un problème de communication. Donc, quand on pense à qui, il faut penser aussi à tout ce qui vient derrière. Le téléphone, à l'école, les anglais, c'est plus grand que les pas du tout bien, en tout cas, c'est pour le secondaire, je parle de collège, c'est pour fixer les gens. Merci, Monsieur Kalul. Peut-être avant de clôturer ce débat, votre dernier mot, votre mot de fin, un message peut-être à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne, à l'endroit des parents, à l'endroit des acteurs, à l'endroit aussi de l'État. Je pense que les jeunes doivent se rendre compte de cette vie dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas venus pour juste passer. Je fais beaucoup de choses. Comme je le dis souvent aux jeunes que je rencontre, les belles choses que vous allez faire dans la vie, vous les construisez durant votre jeunesse. Si vous ratez la jeunesse, vous risquez de rater votre âge adulte et votre vieillesse. Vous voulez construire, construisez. Ce pays-là, c'est le nôtre. Les jouissances éphémères que les gens peuvent avoir, ça passe. Mais après, chacun sera face à sa responsabilité. Il faut que chacun se dise dans 3, 4, 5, 10 ans, je serai où et je serai quoi. Est-ce que ce que je suis aujourd'hui va être déterminant dans ce que je serai? Donc, c'est sûr que ça va être déterminant. Mais est-ce que ça va être utile? C'est une question que les gens doivent se poser. Et se dire aussi que souvent, comme le dit un adage, c'est que un jeune, c'est que un vieux voit assis. Un jeune ne le voit pas de Dieu. Donc souvent quand les personnes adultes essaient de dire faites attention à ceci, à cela, c'est qu'ils voient eux ce que cela peut être dans 10 ans, dans 15 ans, si la personne continue dans ce sens. C'est très important. Donc je pense que les gens doivent se dire. Nous sommes dans une société où on doit se parler, se respecter, essayer de s'accompagner, de s'entraider pour pouvoir corriger, avancer ensemble dans le bien. Que ce soit le mal qui soit au centre, qu'on puisse être utile les uns pour les autres, que ce soit comme les animaux le font, c'est la loi du jeune, c'est celui qui est plus fort, celui qui est ainsi de suite. Donc je pense que les jeunes, il y en a qui n'ont pas eu la chance de vivre avec les parents, mais qui ont de la responsabilité quand on le vend, respecte. Donc c'est important, on a du travail, mais c'est la responsabilité. En tout cas, moi je me dis en tant que sociologue, il y a le fait de dire, de parler, il faut aussi accompagner les gens pratiquement sur le terrain pour pouvoir faire ce que l'on peut pour changer les choses. D'accord, merci beaucoup. Merci Monsieur Kalilou. En tout cas, ça a été un débat très pertinent. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à l'Association des étudiants musulmans du Niger. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.